Monsieur Rutabega. Merci, mon brave. Entrez. Monsieur, une nouvelle enquête. Ah, exposez donc les faits. 7 suspects, tous bloqués dans la même salle à cause d'une tempête de neige. Combien de morts? 1. Intéressant. Ah, le devoir m'appelle. Je dirais même, nous appelle. Chut. Ah, j'ai des frissons. Chut ! Tais-toi, Bernabé. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur. Oui, inspecteur Rutabega. Et Bernabé, son assistant. Je vais vous faire visiter les lieux, mais faites silence s'il vous plaît. Madame a encore une de ses migraines. Je suis vraiment son objet personnel. Depuis la mort de monsieur, rien n'a pu par la maison. Madame fait des crises et une monte. Ça sent ça pas, Bernabé. Ça sent ça pas. Je sais, inspecteur. Et toi? Qui t'es? Et enfin, père, je suis votre fils. Ah bon? Avant d'entrer, je dois vous prévenir. Madame souffre de très fortes migraines depuis la mort de monsieur. Pauvre madame. Bonjour madame. Ah, bonjour Géraldine. C'est horrible. Mes migraines ne cessent de m'envahir la tête. Je sais madame. Triste de la mort de Marie. C'est dur. Mais qui sont ces gens? Ils ne sont pas présentables comme ça. Toutes mes condoléances, madame. Monsieur Rutabega, inspecteur privé renommé, et son assistant, monsieur Bernabé. Oh, mais Géraldine, allez, vite, ma veste, hein, faut que je sois présentable. Ah, Bernabé, cesse d'importuner la madame. Céleste! Céleste! Je me demande où est mon fils. Toujours à courir partout, celui-là. Oh, mais Céleste! Que fais-tu là, petit coquin? Comment fait-il de ne pas avoir les commandes de la cuisine? Ah, Céleste, un enfant très créatif. Il me fait terrible. Vous voudriez que Géraldine vous offre un boire peut-être? Ça pue le macabé. Voilà donc notre victime. Interrogeons-le. Nous pourrons peut-être en apprendre plus sur la meurtrière. Mais enfin, Bernabé, il est mou. On va commencer l'interrogatoire. Inspecteur, je sens que cette enquête va être vraiment difficile. Nous allons commencer par les interroger un par un pour savoir ce qu'ils nous cachent. Peut-être que le meurtrier se dénoncera par lui-même. Barnabé, si c'est pour dire de telles inepties, tu ferais mieux de te taire. Rebonjour. Apparemment, c'est vous qui avez découvert le corps. Oui. Dites-moi tout. Ben, il n'y a rien à dire. Je rentrais dans la chambre de monsieur pour lui apporter un thé, comme tous les soirs, et ce soir-là, il était juste mort, allongé dans son lit. Ça, il vous cachait des choses. Oui, avouez maintenant. Bon, en fait, monsieur et madame faisaient chambre à part. Et madame avait cette obsession pour les bijoux et elle emportait tout le temps et ça énervait monsieur. Et le frère de monsieur, il était jaloux de monsieur parce que le père de monsieur préférait monsieur à son frère et leur fils, monsieur et madame, il était bizarre et je crois qu'il a des problèmes dans sa tête, vous savez, et je pense que madame a un amant. Intéressant. Intéressant. Selon vous, qui est le coupable? Oui, dites-nous qui? Doucement, non, mais... Selon moi, c'est madame. C'est pas encore prêt? Ben non, c'est pas encore prêt. Et vous savez pourquoi c'est pas encore prêt? Parce que ce matin, j'ai dû faire le lit de madame, faire la lessive de madame, ranger les bijoux de madame. De toute façon, il n'y en a que pour madame ici. Ah non, je suis désolée, c'est pas encore prêt. Déjà, commence à me parler poliment, et puis de toute façon, t'es payée pour faire ça. Alors tu vas te calmer tout de suite maintenant, ok? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je n'ai pu louper le magnifique bijou que vous portez ce soir. Ah, merci beaucoup. Vous n'aviez pas le même ce matin? Ah, sûrement, enfin, je change souvent. Vous aimez beaucoup les bijoux? Oh non, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas incroyable pour moi. Comment trouvez-vous tout l'argent pour se les acheter? Ah, vous savez, j'ai gagné ma vie ici, hein. Ne preniez-vous pas l'argent pour votre mari pour vous les acheter? Mais bien sûr que non. C'est un peu soupçon. D'après vous, qui pourrait être le coupable? Je ne savais pas que nous cherchions de coupable. Je crois bien que c'est le frère de la victime. Il était très jaloux de lui. Merci à vous. J'en ai marre aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, là, j'en peux plus. Faut essayer que tu te remettes en question. Mais j'ai pas à me remettre en question! Ah putain, mes migraines. Désolée, tu veux quelque chose qui pourra te réconforter? Un bijou peut-être? Bonsoir. Bonsoir messieurs. Nous avons quelques questions à vous poser. Allez-y. Étiez-vous en conflit avec votre frère? Je ne dirais pas ça, je dirais plutôt qu'il y a une certaine tension entre nous deux. Vous le jalousez? Non. C'est juste que père nous comparait comme ça. Ah, nous comparait souvent, ça crée des tensions. Je vois. D'après vous, qui pourrait être le coupable? Je pense que ce pourrait être son fils. Il avait des rapports particuliers avec son père. Très bien. Merci. Frère, j'en peux plus. Ma bonne ne m'écoute plus, ma femme m'en veut que pour mon argent et mon fils ne me parle pas. Mais je m'en fous! Moi je n'ai pas de femme, pas d'argent, pas de bonne, je ne peux pas m'en payer! Mais arrête de crier! Tu m'énerves! Déjà papa, il y en a que les réseaux pour toi! Bonsoir mon garçon. Je suis encore désolé pour ce qui s'est passé, mais nous aurions quelques petites questions à te poser. Tu es prêt à y répondre? Je vois. Ça doit être le choc. Où étais-tu au moment où on a retrouvé ton père? dois répondre maintenant. Réponds. Mais arrête de crier, tu vas lui faire peur. Arrête de crier, c'est à moi que vous faites peur. C'est pas des soupçons. Ouais. Ça va en paix. Écoute fils, j'aimerais avoir une discussion avec toi. J'aimerais que tu fasses un pas vers moi, j'aimerais que tu me répondes. Allez! Mais réponds-moi, ça fait 14 ans que j'essaie de te parler! Au revoir, papa. Bonjour, vieil homme. Nous aurons quelques questions à vous poser vis-à-vis de la mort de votre fils. Votre fils? Nous sommes des inspecteurs qui sont chargés de résoudre l'enquête de la mort de votre fils. Un fils? Votre fils? Qui? Votre fils? Monsieur qui est mort. Ah. Oui. Vous êtes prêt à répondre à nos questions? Répondre à quoi? Nos questions. Ah, mais aller me chercher un café, ça va être long. J'en prendrai un pour moi aussi. Vous êtes tous suspects. Oui, tous. Vous êtes tous suspects. Moi ça. Et est-ce qu'on peut parler de mon salaire? Bon, c'est pas le moment là. Ça va? Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Toute ma vie, tu m'as rabaissé. Toute ma vie, j'étais en dessous de toi. Toute ma vie, t'as été chouchouté. T'avais tout ce que tu voulais. Pourquoi? Je sais rien. T'es pas obligé de faire ça. Ça va changer. disputes, à chaque fois que j'étais distant, je me suis rendu compte qu'en fait, la seule chose que je voulais, c'était Salut papa, raconte-moi une histoire. Très bien. C'est toi. Il était une fois... Non, quand même pas, c'est qu'un enfant. Peut-être. J'ai des frissons. Oui, vous êtes qui? Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je vous connais pas. Si, vous êtes mon père, monsieur. Sortez, s'il vous plaît. Père. Mais je ne vous connais. Ne t'approche pas de moi. Ça va aller. Ne vous approchez pas de moi. Sortez. Je vais vous sortir de là. Sortez de chez moi. Retournez dans la chambre. Sortez de chez moi. Ne me touchez pas. Oh. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez trouvé qui est le meurtrier? Qu'est-ce qui aurait pu se passer d'autre? J'ai trouvé.